Aujourd'hui, on va parler de l'ordre divin avant l'influence. So today we're going to speak about the order, the divine order before it. Amen. Dis à ton voisin l'ordre divin avant l'influence. Divine order before influence. Avec un peu plus de conviction quand Come même. Come on, a little bit quand more même. Conviction. Come on. Vous m'avez dit vous avez le feu là. Yes, you have fire, so go on. L'ordre divin avant l'influence. The Amen. Divine order before influence. Vous savez, face à tout ce qui se passe. Do you know things are happening all over the world? Vous savez, on peut faire tous les discours. And you can speak about all kinds of things and discuss things. Nous devons prier, c'est sûr. Of course, we do have to pray. Mais à un moment donné, But at some point, il faut influencer. You have to bear an influence. Nous sommes créés pour influencer. You were created to be able to influence other people. Dieu veut que son église soit influente. God wants his church to have power and influence. Et Dieu veut que chacun d'entre nous soyons influents. And God desires each one of you to be influential. Est-ce que vous avez vu l'impact de ce qu'on appelle les influenceurs? Do you see the impact of the people that you call influencers? C'est incroyable. It's terrific. Ils ne représentent pas grand-chose. They are just a little Ils people. Ils disent pas grand-chose. They don't talk about Il y a a pas lot de contenu. Of stuff. Pas Not de fond. Much. Mais ils touchent des millions. But what they say is touching millions of people. Nous devons influencer. So you have to non, non, influence le chrétien your doit world. Influencer. Come on, the Christian has to influence your world. Amen. Amen. Qui veut influencer là? Who wants to do that? Ceux qui n'ont pas levé la main, on va prier pour Come vous. Come on, we're going to pray for you who didn't raise your hands. Vous savez, tant qu'on entre guillemets, on joue un peu entre nous, on reste un peu en club privé. As long you know, as we stay and stick together like a private club. On n'inquiète pas trop l'ennemi. You're not bothering the enemy at oh, all. On peut jouer entre nous, on peut faire de super jeux. Also, we can just play with each other, stay here together. Oh, là, vous n'inquiétez pas. Oh, the enemy is not worried at all. Mais quand vous voulez commencer à devenir influent. But when you are starting to have some status. Cette parole d'influence, Dieu me parle beaucoup par rapport à cette sœur juste en face de moi. L'influence. Tu es destiné à influencer. You have a destiny to influence other people. Right here. You have a destiny to do so. Je ne sais pas dans quel secteur, mais une influence significative. I'm not sure in what area, but you do have such a power. Là, quand maintenant vous voulez vous positionner pour influencer, là, vous commencez à changer tous les paramètres Because dans le royaume des ténèbres. The moment you start to influence other people, everything changes. Là, la stratégie à votre rencontre, elle change mais radicalement. The strategy against you is going to change radically. Vos oppositions ne sont plus les mêmes. The people that go, the spiritual force against you are going to change. Et il y a une stratégie qui va se mettre en place dont l'objectif ultime sera même de vous détruire physiquement. And there is a strategy that will come in place to try to destroy you even physically. C'est-à-dire que si au bout du bout du bout, l'adversaire n'arrive pas à vous bloquer, le but c'est de vous éliminer physiquement. So if the enemy cannot block you spiritually, what he's going to try to do is just to kill you physically. Et on va illustrer nos propos ce matin par rapport à un texte extraordinaire de la vie de Daniel. So we're going to look at this carefully into a text taken from the book of Daniel. Parce que Daniel est vraiment un modèle d'influence extraordinaire. Daniel was a model of influence that is absolutely tremendous. Dans un monde païen mais grave et dans un au milieu d'un empire démoniaque. In the midst of a demonic presence and oppression, the whole nation was under that influence. Et je me demande d'ailleurs, mais comment cet homme était tellement consacré que n'étant même pas le temple du Saint-Esprit, mais au milieu des magiciens, des sorciers, le gars, il tient ferme. And this guy, in the midst of all the magicians, the sorcerers in this nation, he stood firm. Les pressions qu'il avait de toutes parts, mais cet homme est resté intègre. The pressure that was against him, this man stood up and stood up.
Vous savez, la vie de Daniel me bouleverse. Elle doit nous bouleverser. The Bible is just overwhelming. Et dans Daniel 6, les versets 1 à 5. In Daniel 6, verse 1 to 5. Et vous allez voir où Dieu veut nous emmener aujourd'hui et comment Dieu veut nous préparer pour l'influence. And you're going to see how God wants to use us and make us become influencers. Et on va voir que sur le chemin de cette préparation, il va falloir que l'on fasse très attention aux moindres détails de notre vie. And you're going to see that in preparing yourself to do so, you have to be careful about every details of your life. Même les choses qui ne semblent pas très importantes sur le chemin de l'influence, elles prennent une acuité particulière. Even things that don't look very important to you, any detail of your life is going to have a bearing on your future. Dans ce passage, que se passe-t-il? So, in this passage, what's happening? Daniel est un homme déjà influent. Okay, Daniel is already high up in a society. Il était influent sous l'Empire babylonien. He has a status in the Babylonian Empire. Il est resté influent sous l'Empire des Perses et des Mèdes. And even during the time of the Persia and the Medes. Donc l'Empire qui a renversé celui de Babylone. So the empire that overthrew the Babylonian Empire. Et Dieu avait donné à Daniel une grâce, une intelligence, une capacité, une sagesse extraordinaire. And God had given Daniel such an intelligence, a capacity to do things. It was absolutely marvelous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Daniel progresse dans cette influence, dans cette autorité, en restant intègre. So as you see him evolve into the society, you see him, he keeps his integrity. Et il se passe qu'à un moment donné, donc sous Darius, and at one point, the king of the empire is Darius. L'empire perse était divisé en plusieurs régions qu'on appelait des satrapies. So the Persian Empire was split into a different region that were called satrap. 120 régions. And there was 120 different areas. Et au-dessus de chacune de ces régions, de ces satrapies, il y avait une personne qui avait l'autorité, qui était le chef de cette satrapie, qu'on appelait un satrape. And over each region, you had a man in authority that was called a satrap. Et ces 120 personnes d'autorité devaient rendre compte à trois chefs. And those people had to give account to three more people that were above them. Donc, trois chefs qui étaient vraiment autour de Darius, de l'empereur. So, there was three chiefs that was around the Darius, donc, the emperor. Donc, une influence extraordinaire déjà. So, to come to this level of authority is absolutely tremendous. Parce que parmi ces trois, il y avait Daniel. Because among the three people that were surrounding the emperor, Daniel was one of the men. Frères et sœurs, parmi ces trois-là, il y avait Daniel. Do you realize that Daniel was among at the head of the empire? Un homme de Dieu. A man of God. Intègre. With integrity. Sans compromis. Without compromise. C'est extraordinaire. Isn't that wonderful? Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu voulait emmener Daniel encore plus loin. But you know what was the point? Wow. God wanted to push Daniel even further higher. C'est-à-dire que Dieu voulait que Daniel, qui surpassait déjà les deux autres, soit le deuxième personnage de l'État, de l'Empire. God wanted to put Daniel really at the second place of this huge nation. Parce que Darius, il a vu qu'en fin de compte, Daniel mais surpassait les deux autres. Because what happened is that the emperor Darius saw that Daniel had such an intelligence that he was absolutely surpassing the other two. Donc très intelligemment, Darius jouant ses propres intérêts, il s'est dit mais parmi ces trois-là, il y en a un qui les surpasse tellement que je veux le positionner au-dessus des deux autres. So what the emperor Darius thought, he said this guy Daniel is so much more intelligent, I'm going to put him above the other two. C'est là où tout se gâte. And that's where everything go crazy in non, his non. life. C'est là où les puissants des ténèbres là commencent à s'agiter en disant non, c'est trop. And that's when the spiritual forces of darkness are saying no, this is not going to happen. Non, ça veut dire que déjà Daniel il fait partie
du cercle restreint, mais maintenant Daniel doit devenir l'homme de Dieu, donc avec les valeurs du royaume, deuxième personnage de l'empire perse, jamais de la vie. Not only Daniel is already among the three people, the most influential people after the emperor, and now he is going to be the first among the three. That's not going to happen. Il y avait une guerre d'influence, so, de folie. There was a raging war of influence. Une guerre d'influence de folie. It was so crazy. Tant que t'es pas influent, tu déranges pas le diable. When you have no influence, you Mais don't bother nobody. Quand tu commences à occuper un poste d'influence, une autorité. But when you start to have a status where you have a bearing on other people, something is going to change. Entre guillemets, tu commences à l'intéresser d'une manière particulière. You are going to try to start interesting the enemy in a wrong manner. Donc, une stratégie se met en place, c'est de bloquer l'ascension, la promotion de Daniel. So what's going to happen is something is going to come and try to block your elevation. Donc là, la stratégie démoniaque, elle était claire. Un homme de Dieu ne pouvait pas atteindre un niveau d'influence tel que celui-là. Déjà, c'était pas mal, mais là, non. So the strategy was clear. The enemy didn't want a man of God come to the second level of such authority in such a huge kingdom. Parce que si vous obtenez des promotions, mais que vous abandonnez Dieu, vous manquez d'intégrité, il n'y a pas de souci pour l'ennemi. Because for the enemy, if you get to a very high status in society and you compromise and you lose your integrity, it don't bother him. Je parle de chrétien ou de la chrétienne qui est promu et qui reste Now, intègre et qui garde la crainte de l'Éternel. I am talking about Christians. Je parle de celui-là. A man and a woman of God who Je will stand firm. Je parle pas de celui qui va faire des compromis ou des compromissions. Who would keep their integrity as they are being promoted to higher authority? This is what I'm talking about. I'm not talking about people who will make compromise in achieving their goals. Voilà. Je parle pas de ceux qui vont faire des tractations bizarres pour être promus. Je parle de ceux qui craignent Dieu et que Dieu veut lui-même promouvoir. I'm not talking about people who are going to do all kinds of things to try to get promoted. Désolé. But I'm talking about the people who Merci are going to be promoted by God and who keep having integrity Merci in their hearts. Et donc là, ce qui se passe, c'est que il faut savoir que l'Empire perse, à l'époque, c'est pratiquement 13 fois, presque 13 fois et demi la France d'aujourd'hui en superficie. So what I wanted to say is like Persian Empire represents 13 times the size of France today. L'Empire perse était titanesque. The Persian Empire was immense and huge. Donc on n'est pas en train de parler d'une petite influence là. So we're not talking here about a little influence on a little country. On est en train de parler d'un méga truc quoi. You are talking about something absolutely huge. Parce que stratégiquement parlant, quand vous êtes au sommet, vous allez influencer les valeurs. Because as you know well, when you are on top of the government, you have such power to do all kinds of things. Et c'est ça qui était très, très, très dangereux. And this is what seems dangerous. Pour le royaume des ténèbres. For the kingdom of darkness. Et là, nous allons voir dans ce passage qu'il y a deux stratégies qui vont être mises en place contre Daniel. So you're going to see in this passage that there is two strategies that are going to be put in place to go against Daniel. N'oubliez pas que c'est pour nous inspirer nous qu'on va lire ce passage. And Amen. Remember that we're reading this passage to inspire yourself. On va voir que comme la première a échoué, c'est pour ça qu'ils vont passer à la seconde, parce qu'en fait la première, elle va échouer lamentablement. So there was a first strategy that came against him to make him fall, but he didn't fall. So there is another strategy that came up in place. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu veut parler de l'ordre divin dans nos vies. And this is why you're going to understand what a divine order in your life means. Parce que ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer de disséquer la vie de Daniel. So they are going to try to check Daniel's life in very much detail. C'est-à-dire que les deux autres jaloux. Do you know that the two other guys that were around Daniel that was pretty much jealous? Avec les chefs de région, donc les satrapes. So the satraps. Ils vont se liguer. They came all together against Daniel, who was rising up in power. Pour bloquer l'ascension de Daniel. And they wanted to block his elevation. Et la première stratégie qu'ils mettent en place.
And the first strategy that they put in place. C'est de faire l'inventaire détaillé de la vie de Daniel pour voir là où on pouvait l'accuser. They are going to go through Daniel's life in detail to see if there was any crack or crevices. Ils se sont dit, on va voir, c'est pas possible que dans la vie de cet homme, il n'y ait pas quelque chose qu'on peut présenter à Darius pour bloquer sa promotion. And they thought to themselves, we're going to check Daniel's life in detail to see if there's anything that could go against him so that we could present that to the emperor Darius for his fall. Donc au chapitre 6 de Daniel, il est dit Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. So it is said that Darius the Mede received a kingdomship when he was 62. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. And Darius decided to appoint 120 satraps to oversee the country. Il mit à leur tête trois chefs, l'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi subisse aucun tort. And all the satraps had to report to Daniel to see that who was overseeing them to see that everything was being done properly. Verset 4, Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout and le it royaume. Is said that the king saw that Daniel had such a high intelligence above anybody else that he wanted to put him above everybody. Verset 5, alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. And then all the satraps tried to look into Daniel's life to see what could be done against him. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle. But they couldn't find no fault in him because he was found faithful. Et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence. He has no negligence inside of him. Ni erreur. And no wrong. Non, c'est Daniel, il est grave cet homme, c'est pas possible. This guy is absolutely wonderful. Mais comment le type il a pu verrouiller toutes les portes d'accès, c'est pas possible. How is that possible? Daniel was almost perfect. C'est pour ça que je dis que il est tellement inspirant. So this guy is really inspiring. Vous imaginez l'énergie qu'ils ont dû déployer pour trouver quelque chose? Do you realize how much energy they put up into finding something wrong against him? Les deux chefs, ils se liguent avec les 120. The two main chief goes with the 120 other guys. Pour dire, c'est pas possible depuis que ce type y règne, c'est pas possible qu'aucun d'entre nous ne trouve rien à redire à cet homme-là pour and le bloquer. They are trying to find something to go against him and they cannot find anything against the guy. Rien. Nothing. Ils n'ont rien trouvé. They couldn't find anything. Même pas de négligence. Même pas d'erreur. Non, mais c'est un surhomme, Daniel, c'est pas possible. No negligence, nothing. Le gars, c'était le champion du verrou. Hein. The guy was heroic. Champion du verrou. Il a tout bloqué, tout verrouillé, toutes les portes d'accès. He blocked everything against him. Nothing was. Tu passais nulle part. Nothing was against him. Non, c'est un truc de malade. That's crazy. Ils n'ont rien trouvé. They couldn't find anything. Mais vous voyez pourquoi on parle de l'ordre divin? But do you see why we're talking about divine order now? Vous voyez pourquoi l'ordre divin est important do you dans know why le chemin de la promotion the divine divine order is so important as you're going higher into divine appointments? Ce n'est pas, c'est pas simplement, ça peut être la promotion civile, mais ça peut être une promotion dans le ministère, là où Dieu vous a positionné. C'est quelle que soit la promotion, à un moment donné, la négligence, l'erreur peut vous être fatale. Do you see that as you are growing into promotion and elevation in society and what you are doing, if you make any mistake, it could be fatal to you. Le truc que jusqu'à présent tu vivais avec, ça te faisait pas trop de, y avait pas trop de conséquences. Dans une dynamique de promotion, dans une dynamique d'influence, ça te revient comme un boomerang. You are doing things on the side and you think you can get away with that, but as you are getting promoted and everything comes to the light, it's going to explode. Et on va voir des exemples concrets tout à l'heure. And we're going to talk about very specific example in mais, et d'ailleurs, ça explique pourquoi Daniel était déjà arrivé à ce niveau d'autorité. And that explains already why Daniel also already reached this high level of authority in the kingdom.
Le gars, il a veillé sur sa vie tout au long de sa progression. Because as he grew up in his life, Daniel was really careful about what he was doing. Il s'est pas laissé abuser par la position pour négliger sa vie de consécration. Au contraire. He did not neglect his personal consecrated life for his promotion. He had integrity within his heart. Le diable ne veut pas que tu sois influent. The devil doesn't want you to have influence in this world. Mais tu dois être influent. But you have to have influence in this world. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans une dynamique de promotion, oh, il faut tout checker dans sa vie. That is why, as you are being promoted in life, in your circle of influence, be careful at what you are doing in your personal life. Parce que la petite négligence, tu te dis c'est pas grand chose, c'est là où l'ennemi va rentrer. Pour bloquer, te faire rater la volonté de Dieu. Because anything you might do that you think is okay, when it comes to the light, it will be disastrous for your life. Et pas mal sont concernés. A lot of people are being concerned about that. Me dit le Seigneur. Et vous savez, je ne veux pas trop donner des détails parce que par rapport au poste que j'avais, mais vous savez, j'ai eu à occuper un poste où il y avait beaucoup de milliards à gérer. Il y avait beaucoup de. De milliards à gérer. De milliards. À gérer. Okay. Beaucoup d'argent. Okay. There was I was working. Beaucoup d'argent. I get it. There was a place I was working. I'm not going to say the detail because it's kind of private. But there was a lot of billions that I was working with. Et à un moment donné, il y a une personne dans la structure où je travaillais qui est partie regarder sur internet pour savoir ce qu'on trouvait de moi sur internet. And somebody where I was working started to look on internet and check my name to see if there was anything against me somewhere, a little crack. Il a vu que j'étais un prédicateur. Ciel. Il a vu que j'étais un prédicateur. And he discovered I was a preacher. My goodness. Ah ben tu tapes mon nom, tu vois toutes mes prédications, hein. And he was like, no way. J'ai gloire à Dieu, il va être touché. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, il a voulu utiliser ça pour me bloquer. So what this guy did is he tried to use this to kind of block me because I was so influential. Parce qu'il a voulu répandre la nouvelle, l'information en se disant, mais est-ce qu'un prédicateur de l'Évangile a le droit d'occuper de telles responsabilités? And he started saying around, does a preacher have the right to have so much authority over so much money? Mais Dieu a fait grâce. But God have grace over me. Donc c'est pour vous dire, c'est une réalité. And just to let you know, it is a reality and a truth. De chercher à bloquer votre promotion quand vous voulez influencer. When you are starting to be high in authority, somebody is going to try to stop you from growing up. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont pas pu trouver quoi que ce soit, le diable ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait une autre dimension, autre chose. So as the devil tried and it did not work, he tried something else, higher. Et là, on rentre dans la manipulation. And here you're going to manipulation. Là maintenant, ils se sont dit il n'y a pas d'autre solution qu'éliminer physiquement Daniel. So they really thought hard and they said there is nothing else we can do but just to kill Daniel. Et là ils vont raconter toute une histoire au roi vous lirez les versets qui suivent. So you're going to read the following verses, you understand what happens. Il dit oh roi, il savait tout le monde connaissait la consécration de Daniel. Elle n'était pas secrète, hein. Daniel ne se cachait pas. Hein. Tout le monde savait qu'il était un homme qui craignait Dieu. And Daniel was not hiding the fact that he did believe in God and that he was honoring God. He wasn't hiding the fact. Et ils disent au roi, roi Darius. So he say, oh King Darius. Il faut que tu signes un décret que dans les 30 jours qui viennent, personne d'autre ne doit adorer quelqu'un d'autre que toi. Please, King Darius, just put up a law that in the next 30 days, nobody else can worship you but you. Et si jamais, dans les 30 jours, quelqu'un d'autre adore un autre Dieu que toi, oh Darius, la fosse au lion. And King, if in 30 days somebody else dare to worship another God but you, just put him down with the lions. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'histoire de la fosse au lion de Daniel. C'est à ce moment de sa vie. The story where Daniel will be put into the lion's den. C'était dans cette dynamique de promotion qu'apparaît la fosse au lion. As Daniel was about to be promoted higher, this is what happened. Il savait très bien que Daniel
allaient certainement prier, mais de toute façon, pour eux, si Daniel priait, il était mort. And they knew that Daniel, who was a believer in God, was going to pray, so they knew he was going to get killed eventually. Donc soit il priait son Dieu, il était mort, soit il priait désormais le Dieu de Darius, et tout est... Il était dans le camp de l'ennemi, donc voilà. So there was two options: either Daniel was going to keep praying his God, and that will be the end of Daniel, or Daniel will bow to the other gods and start worshiping the king, and that would be very fine. Ah, ils ont bien dit, tu sais, Darius, il faut bien sceller ce décret avec ton anneau, comme ça, on peut pas. And they say to the emperor Darius, come on, use your powerful ring, your ring of power, to seal this decree. Et t'oublie pas Darius, hein. Bien, bien là. Don't forget, Darius, the seal of authority that you have printed on this law, so it will not be revoked. Et dès qu'il a mis le sceau, ils ont dit, Daniel est cuit. And the emperor did it, and that was it. Il est cuit. That's it. Daniel was about to collapse. No et là, way out. Frères et sœurs, Daniel avait un choix. And here, Daniel had a choice. Daniel avait un choix. There was a choice to be made. Daniel right avait here. Un choix au moment où la plus grande des promotions de sa carrière l'attendait. As the greatest promotion of his life was about to come, there was the challenge in front of him. Daniel avait le choix de payer le prix, c'est-à-dire, peu importe la promotion, je vais servir mon Dieu, quitte à tout perdre. There was the choice and the dilemma of Daniel. Am I going to serve my God and lose everything? Or just bow to the law that has been promoted and decreed. Et frères et sœurs, quand on voit le choix qu'a fait Daniel, en fait, on comprend pourquoi Dieu a élevé cet homme. Brothers and sisters, when you see the choice that Daniel made, you will understand why God decided to promote him to the on highest level. On comprend pourquoi Dieu a élevé cet homme. Why God blessed this man. Parce que Daniel, sachant très bien qu'en priant son Dieu, il pouvait tout perdre. Daniel a décidé de continuer à adorer son Dieu. Daniel knew that as he was going to bow down and worship his God as usual, he was going to lose everything, but he decided to do it anyway. Ça veut dire que dans la vie de Daniel, dans le cœur de Daniel, rien, même les plus belles promotions qu'il avait eues jusqu'à présent, n'étaient plus grands que son amour pour son Dieu. And that really showed the heart of Daniel, which was that whatever promotion, nothing was higher in his heart but the love he had for God. Frères et sœurs, Daniel était prêt à tout perdre. Listen to me, brothers and sisters. Daniel was ready to lose everything. Sommes-nous prêts à cela? Are you ready for such a sacrifice? Sommes-nous prêts à cela? Are you ready? Ça veut dire que, à notre tour, in your turn, on doit chercher à fermer toutes les portes d'accès, mettre de l'ordre divin dans tous les domaines de notre vie. You have to close the doors of anything that is wrong in your life, so the divine order of God can come in your life. Sinon, l'ennemi utilisera une de nos négligences, une de nos erreurs pour nous empêcher d'influencer. Otherwise, the enemy is going to use your mistake and your error to prevent you from being promoted higher. Mais si on ne peut pas influencer, à quoi servons-nous? But if you have no influence in life, what is the use of yourself and of your life? Pas d'influence, pas d'impact. No influence, no impact on the world. Est-ce qu'on veut seulement se contenter à louer Dieu entre nous, à être content à rentrer chez nous? Moi, je dis non. You just want to stay here, worship God and sing. I'm saying no, this is not the life non, you're Dieu supposed to live. Non, Dieu a beaucoup plus pour nous, frères et sœurs. God has much more for your life, brothers and sisters. Daniel n'était même pas l'habitation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Daniel nous sommes le temple du Saint-Esprit. Was not even the inhabitation of the Holy Spirit. Daniel today, n'était pas une nouvelle création. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes une nouvelle création. Daniel was not born again. Today, you are. Nous avons toutes les raisons de chercher l'influence et d'influencer. You have all the reason to seek to have a higher influence in the world. Mais Jésus dit dans Luc 9, 23, Jesus said in Luke 9, 23, que celui qui veut le suivre, whoever wants to follow me, il faut qu'il renonce à lui-même, have to renounce to himself, et qu'il décide de porter chaque jour sa croix. And have to decide every day to carry his cross. Il faut qu'il décide
Il est le désir d'abord. You have to decide first de suivre le Seigneur. To follow the Lord. Il faut qu'il ait le désir. Ensuite, il faut qu'il accepte de se renier lui-même. And then you have to, the person has to renounce himself. Et de porter sa croix. And to bear his cross. Mais ça ne veut pas dire simplement supporter les épreuves, frères et sœurs. Brothers and sisters, it doesn't mean just to carry and go through trials and difficulties of life. Ce que Jésus veut dire là, c'est il faut qu'on soit prêt à lui laisser tout le gouvernail, toute la direction de notre vie dans tous les domaines. Jesus is saying here, you have to leave to him all the direction of your life, everything of your life. Parce que plus encore que de supporter les épreuves, une chose est encore plus difficile, c'est d'abandonner notre volonté, d'abandonner Because la direction de notre vie entière à Jésus. One thing that is more difficult than just going through trials of life is really to abandon and give your life to him totally. Pas simplement certains domaines, mais le gouvernail dans tous les domaines, le gouvernail de tout le navire, tous les compartiments. Not just to give him some place in your ship and your boat, but to give him every single place that you have within yourself, including the direction you're taking. Alors la question c'est, dans ma vie, so now the question is, quels sont les domaines où Jésus ne règne pas encore? In my life, where is it that Jesus is not the ruler? Et il faut que chacun d'entre nous puisse répondre sincèrement à cette question. Dans quel domaine, très sincèrement, Jésus ne règne pas encore totalement? Every one of us have to check ourselves to see where Jesus doesn't rule and reign in our hearts and our lives totally. Parce que c'est dans ce domaine, c'est dans ces petits domaines, quand vous allez régler, je dirais, les grosses choses, que l'ennemi va nous rattraper pour nous empêcher d'avoir la promotion divine, l'autorité pleine et entière. So here I'm talking not about the big things that you've been going through and fighting against the enemy, but I'm talking about the little things. Donc, un dysfonctionnement peut nous faire, qui n'est pas réglé, peut nous faire rater la volonté de Dieu. So something in you that is not has not been corrected, that was wrong, can make you miss God's plan for your life. Un péché régulier peut nous faire rater la volonté de Dieu. A sin that is habitual. Un péché non confessé peut nous faire rater la volonté de Dieu. A sin that has not been confessed can make you miss God's destiny for you. Une négligence peut nous faire rater la volonté de Dieu. Being negligent can make you miss God's destiny. La nonchalance peut nous faire rater la volonté de Dieu. Being slow in doing things when God is telling you to do something can make you miss it. Vous savez qu'hier aux élèves de l'école biblique, je les ai enseignés. Yesterday in the Bible school, I taught some students. Et je leur ai parlé un peu de la parabole de talent, des talents. Vous savez, le maître qui part et qui donne à un 5, à un 2 et à un autre 1. And voilà. I talked about the tale where the master is giving some finances to different servants. Et quand le maître il part, quand il revient, la Bible dit beaucoup plus tard. En fait, les deux premiers ont doublé et le dernier n'a rien fait, comme on sait. So the master then left and let the servants use the money and try to make a profit out of it. Two worked it out and one did nothing with what he had. Et celui qui n'avait rien fait, en fin de compte, le maître, il n'a pas demandé de le donner à celui qui en avait au départ deux, mais à celui qui en avait au départ cinq. Donc maintenant dix, il a donné à celui qu'on avait le plus, de le donner à celui-là. What happened is when the master saw that, he asked the one that was negligent to give it all to the one that succeeded the most. Je parlais tout à l'heure de nonchalance parce que quand vous lisez attentivement cette parabole, I was talking earlier about being negligent and slow on doing things because when you look at this story carefully, vous vous rendez compte que dès que le maître part, you realize that as soon as the master is leaving, la Bible dit aussitôt. The Bible say immediately. Celui qu'on a eu cinq, il est parti les faire fructifier. Those aussitôt. Who had five gold, he went ahead and tried to make money and profit out of it. Il était diligent. He was very smart. Et quand le maître arrive bien après, pas tout de suite, quand and il revient. And the master just lived a long time enough to do something with what you have, and then the master came back. Quand il dit maintenant, rendez-moi compte. And he said to the servant, now give account to what you did with what I gave you. Vous verrez que le maître n'a désigné personne. You will see that the master designated nobody. Mais in vous particular. Verrez que c'est lui le premier qui se présente pour rendre compte, le premier. But you will see that the one who did nothing just came up in front the first. Il était diligent. I mean, the one who profited the most il came up the first. Il était he was diligent. Diligent. He was in a hurry to do things. Alors que celui qui n'en avait qu'un, il était très nonchalant.
And the one who only received one coin was quite lazy. Parce que la Bible dit que le maître est arrivé bien plus tard, il n'est pas revenu tout de suite. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas su gérer ni les ressources, ni le temps. So the Bible says that the master just let time go and just to see what was going to happen. Donc si tu as du mal à gérer les ressources, quelles qu'elles soient, y compris le temps, source qui peut te piéger par rapport à une dynamique d'influence. So there is a dynamic here where if you're not careful about your timing and your resource both at the same time, you're going to miss something here. Vous savez, l'année dernière, juste avant de partir en Israël, j'avais passé un temps dans le jeûne et la prière. You know, before I went to Israel last year, I spent some time in prayer and in fasting. Et Dieu m'avait dit pas mal de choses. Et il m'a dit une chose. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu me dit ça? D'être vigilant dans les semaines qui arrivent par rapport à la ponctualité. And God talked to me in my heart about something I was to be very careful in the next weeks to come, which was to be on time. J'ai dit OK, mais je ne voyais pas du tout pourquoi Dieu me disait ça. So I thought about it. I say OK, but then I say, well, I don't really know why God is saying that. Mais en allant en Israël, où j'avais un rendez-vous divin là-bas, j'ai compris pourquoi. And when I went into Israel, I had a divine appointment. I understood why God had told me to be real careful about being on time. Comme cette révélation a continué à me travailler, quand j'allais prendre l'avion. Je suis parti plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris du temps pour arriver bien, bien à l'avance. So, I was going to take the plane, and I decided I was going to be well earlier in advance to the airport. Mais frères et sœurs, ce jour-là, c'est comme si, mais le diable voulait pas que cet avion décolle, quoi. And it's like this day, the plane didn't want to even leave. L'avion a mis des heures avant de décoller. D'ailleurs, the plane was so slow to start moving. Hours of being late. J'écris aux intercesseurs. Je leur dis, il faut prier là. I was writing to the intercessor, please pray for me. J'ai dit au diable, c'est trop tard. Je vais partir. C'est trop tard. Fallait travailler avant. Là, je pars en Israël. And I was saying, no, I'm going to Israel. I'm going. En fait, ce qu'on apprend, c'est que le matériel informatique de la police des douanes est tombé en panne. What happened is the equipment technology for the custom that was going to go through just stopped working. Donc après qu'un certain nombre soit passé dont moi et qu'on ait embarqué, en fin de compte, la police des douanes ne pouvait plus vérifier les passeports et tout parce que le matériel informatique est tombé en panne. So what happened is I went through the custom and just after me all the equipment stopped working and people could not get in because they couldn't check the passports. Donc le commandant de bord, il nous relaie le message de la police des douanes qui dit, jusqu'à ce que ce soit réparé, tous ceux qui sont pas passés, n'ont pas passé les douanes ne peuvent pas embarquer. So the captain on board started to say that that we had to wait till everything worked back again normal. Et comme l'avion fallait qu'il parte, on ne pouvait pas les attendre. Il a fait un appel. Il a dit, si certains dans l'avion ont de la famille qui n'ont pas encore embarqué et qui veulent descendre, on leur laisse le temps de descendre. Ils prendront un autre avion. And the captain said, well, for you who are already in the plane, if you have family that's waiting and you want to rejoin them, you can just leave the plane. J'ai dit, Seigneur, donc si j'étais arrivé en retard, en fait, j'ai raté mon avion, quoi. And what happened is, I realized if I was a little late, I would have missed my flight. Simplement parce que j'ai été ponctuel, je n'ai pas raté la volonté de Dieu. But because I was right on time, I did not miss my plane. Après, ils cherchaient une piste. Il n'y a même plus de piste pour décoller. Après, le commandant de bord dit, on attend qu'on nous donne une piste pour décoller. There was no plane strip for the plane to leave. Comme on a perdu trop de temps, le créneau qu'on avait sur celle-ci, maintenant, elle est prise par autre. Maintenant, on attend qu'on nous donne un autre créneau. The plane waited so long that other plane took the strip and no strip was available. J'ai dit à Satan, c'est trop tard. Je pars. C'est fini, c'est trop tard. Je m'en vais. Don't worry, I'm going, I'm leaving still. Fallait bosser avant. You had to work harder. It's going to work, don't worry. Et vous allez voir comment certains dans la Bible ont raté la volonté de Dieu par rapport aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. And you are going to see that some people will miss God's plan for their lives as you are going to understand. Quand Jacob, Israël, allait mourir,
You know that Jacob called Israel was about to pass away and die. Au chapitre 49, Jacob va appeler tous ses fils pour prophétiser sur leur destinée. Wow. Now, Jacob, before dying, is going to gather all his sons around him to bless them and prophesy blessings over their lives. C'est puissant. It's very powerful. You're going to see that. Et dans les versets 1 à 12 en particulier. So in verse 1 to 12, as you're going to see. Vous les lirez. Hein, you'll read it at home. It's okay. Jacob, il commence par l'ordre de naissance. So Jacob is going to start by the elderly, and then the younger. Et l'aîné, c'était Ruben. So Reuben was the firstborn. En fait, les quatre premiers, vous aviez Ruben. So the first four, Reuben. Simeon. Levi. Judas. Après, il y a les autres. Judah. On va s'arrêter. On va s'arrêter à Judas. We're les going quatre to, premiers. Look at the first four. Ruben était l'aîné, et Ruben devait avoir la prééminence. La bénédiction particulière de l'aîné. As you know, Reuben, who was the firstborn, should have received the most blessings. Mais Ruben a raté la promotion. But Reuben missed his promotion. Ruben a raté la volonté de Dieu. He missed God's will for his life. Ruben, l'aîné, est passé à côté de la volonté de Dieu. He really went astray. Parce que son père lui dit, bien que tu sois la force, mes premières forces, ma première vigueur, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur ma couche. And the father is saying to him, well, even though you are the firstborn of my loins, you're not going to be so promoted because you really did something wrong and you donc went il a slept with one of my il a péché wife. Contre son père et he did something against his father nulle part in his il lifetime. Dit, nulle part il est dit qu'il se soit repenti. And nowhere it is said that he got repenting. Simeon et Lévi. Now, Simeon and Sabrina. Levi. Merci Sabrina. Simeon et Lévi, donc le deuxième et le troisième. Donc normalement, pouf, ça devait tomber sur Simeon et Lévi. So la bénédiction now, de l'aîné. The blessing should have gone next to Levi, Simeon and Levi. Le problème, c'est que là, pareil, ils ont raté la volonté but the de problem Dieu. Is both two messed up their blessings. Jacob leur dit, because Jacob is saying to them, votre colère, en gros, vous a disqualifié. Your anger disqualified you. Votre colère vous a disqualifié. Il le dit deux fois, je maudis twice même votre colère. You say, I curse your anger and you are disqualified. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule, que ma pensée ne s'immisce pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué un homme, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle and est violente. You see that Israel wow. is actually cursing what Simeon and Levi did because they actually killed some people who was innocent. C'était l'affaire de Sichem. C'était l'histoire that de Sichem. That was the story of Sichem, if you remember. Donc, Ruben perd la bénédiction de l'aîné. Elle devait passer sur Simeon et puis Lévi qui la perdent aussi. Ils ont autre chose, mais ils perdent la bénédiction de l'aîné. So, wow. do you see what's happening? Reuben was supposed to have all the blessings, the greatest one, actually, and then it should have been passed on to Simeon and Levi, but them two lost. Et ça tombe sur qui? So, who is Après, the blessing going to go to? Judas. Judas. Et c'est Judas qui reçoit le sceptre. And Judah received the kingdomship. D'où sortira le lion de la tribu de Judas. He will become the lion of the tribe of Judah. Le Messie. The Messiah. N'est-ce pas extraordinaire? Isn't that extraordinary? Dans Matthieu 19, in Matthew chapter 19, versets 16 à 22, le jeune homme riche. Verse 16 to 22. Voici un jeune homme qui veut servir le Seigneur, qui court vers Jésus. Que faut-il faire pour hériter le royaume there de Dieu? There is a young man, very, very wealthy, and he runs toward Jesus and says, "What do I do, Master, to follow you?" Personne ne l'a poussé vers Jésus. Il court spontanément vers Jésus. No, nobody pushed him toward Jesus. He just runs toward Jesus and says, "What do I do?" Mais lui aussi, il rate la volonté de Dieu. But him too mess up. Il rate la promotion divine. Il rate la promotion divine. He messed up his promotion. Parce que Jésus a vu la sincérité de son cœur, mais il a vu également que dans son cœur, il y avait une idole, l'amour des richesses. Jesus saw the sincerity of his heart, but it was a greater idol in his heart that he was following and worshiping. It was his money.
Et Jésus savait que cet amour pour les richesses And Jesus knew that his love for money l'empêcherait de le suivre pleinement. Would hinder him from following him fully. Donc il voulait qu'il paye le prix tout de suite. So Jesus told him, well, you're going to have to pay the price right away. It's better. Vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Just sell everything you have, give it to the poor. Et la Bible dit que le jeune homme, il est reparti triste. And the Bible says that this young man returned home sadly. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a reçu lui-même là en direct, en pleine figure, qu'en fait, l'argent était une idole dans, sa, dans, dans son cœur, quoi. Because suddenly he realized, it just dawned on him that money was his idol and his god. Lui-même, je crois qu'il le savait. Là, il apprend ce jour-là que mince alors, mais en gros, j'aime l'argent à ce point. So this very moment, this young man realized that, wow, I loved money more than I love God. Et pourtant, il avait l'amour pour le Seigneur. But yet he still have some love for mais God. Pas suffisamment. But not enough. Comme Daniel qui était lui prêt à tout perdre. But Daniel, him, was ready to lose everything. Un était prêt à tout perdre, a été promu. He was ready to lose his promotion. Celui-ci n'était pas prêt à perdre tout ce qu'il avait et on n'entend plus parler de lui après. And this guy here was not ready to give up anything and we don't hear about him anymore. Et pour terminer, ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que pour revenir à Daniel, on va finir par là où on a commencé. And to finish this message, c'est qu'on se rend compte que ça vaut le coup. You get to realize it is worth the sacrifice. Ça vaut le coup, par la grâce de Dieu. By God's grace, you can do it. De demander au Seigneur de nous aider. De faire l'inventaire et de mettre de l'ordre divin dans you notre vie. You can ask God to help you out in your life, sort things through with Him. Parce que la réalité, c'est que il va se passer ce que justement le diable voulait éviter. Because the reality is, what's going to happen may depend on you against the devil. Vous allez voir ce qui se passe quand on est prêt, comme Daniel, à payer le prix. You are going to see. What happens when you are ready to pay the price like Daniel did? Parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est que what I find absolutely extraordinary. L'épisode de la fosse au lion. Because that story about the lion's den. En fin de compte, l'épisode qui devait détruire Daniel. Because actually this episode was supposed C'est-à-dire to destroy que Daniel. La manœuvre par laquelle on voulait détruire Daniel. The way by which Daniel was going to be totally destroyed, utterly. Parce que Daniel est resté fidèle. But Daniel stayed so faithful. En fin de compte, les répercussions derrière sont extraordinaires. What happened after that? You can see the result of what he did, and it is so tremendous. C'est cataclysmique. It is such a cataclysm. Wise. Là où l'ennemi voulait détruire, mais Dieu va utiliser ça pour faire quelque chose d'extraordinaire. Where the enemy wanted to destroy, God used it for greater glory. Parce que quand Dieu, quand Darius a vu la fidélité de Daniel et les lions qui n'ont pas touché Daniel parce qu'un ange leur a dit, ce sera pas votre beefsteak aujourd'hui, Daniel. Hein. Because when non, Darius non. saw that Daniel went through. The lion danced and he came out alive. He was so flabbergasted. Ce sera pas votre steak aujourd'hui. Il faudra trouver une autre entrecôte. He thought Daniel was going to be just dead meat. Parce que regardez ce que Daniel, ce que Darius, non, ce que Darius va faire. C'est-à-dire que là où l'ennemi voulait faire quelque chose de destructeur, Darius, quand il voit ça, l'empereur de la Perse, s'il vous plaît. So, because what's going to happen is when the emperor of Persia, please listen to me, the emperor of Persia saw what happened. Il écrit à tout l'empire. He write all over the whole empire. Et il dit que ce que j'écris là doit s'appliquer dans tout l'empire. And he decreed that what I'm writing right here has to be applied in every part of the empire. Daniel 6 à partir du verset 25. You can see that story in Daniel 6 verse 25. 25 à 27. To 27. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Ça, c'est pas le plus important dans l'histoire. Bon, on continue.
même si c'est dramatique, mais l'ennemi tombe dans la fosse. So, David l'a dit, hein, l'ennemi va tomber dans la fosse qu'il a creusée pour toi. Amen. So the story goes like the king is asking all the people that went against Daniel to be thrown into the lion's den, where their wives, their children, and before they fell down to the pit, the bottom, the lion jumped up and started eating them up. Et cette parole est pour ce frère que je vois juste en face de moi, là, avec cette chemise. And this is for you, tu entends? My brother. Dieu me dit que les fosses que creusent tes ennemis devant toi, c'est eux qui tombent dedans si tu persévères. God is saying your enemies are going to fall before you. Verset 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Bon, je crois qu'on peut acclamer Dieu là. Je crois qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. The king is saying that all over the empire, any corner of the whole place, everybody have to honor the God of Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. For he is the God real and alive and he is worthy. Son royaume ne sera jamais détruit. And his kingdom shall never end. Et sa domination durera jusqu'à la fin. His dominion will never finish. C'est lui qui sauve et délivre. He delivers. Qui opère des signes, des prodiges. He does miracle, wonders. Dans les cieux et sur la terre. In heaven and on earth. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. He is the one to have saved Daniel. Est-ce qu'on peut se lever, frères et sœurs? Wow! Come on. Là où on voulait détruire Daniel. Where people wanted to destroy Daniel. Non seulement les ennemis de Daniel sont pris dans leur propre filet. Now the enemy of Daniel fell down to their own traps. Mais Daniel a moissonné le prix de sa semence. The price of his integrity. Oh, je veux te dire, frères et sœurs, si tu payes le prix, même dans la douleur. I want to tell you, brothers and sisters, if you are ready to pay the price, even though you are suffering and hurting. Si tu payes le prix de la consécration, même dans la douleur. If you pay the price of being consecrated, even when you are in pain. Micheline, entends cette parole. Hear tu me. Verras la gloire de Dieu. You will see God's glory. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the Lord's glory. Daniel a reçu la semence au centuple, 1000, 10 000 fois plus Come que on, le prix Daniel qu'il a payé. Received so much more than what he gave up. Un empereur qui écrit que dans tout le royaume, An désormais, c'est le Dieu, l'Éternel and qui est write Dieu. About wow. God, your God. Ça, c'est de l'influence. That's being influential, believe me. Mais Dieu veut faire la même chose pour nous, amen. But you know what? God wants to do the same thing with you. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Can you close your eyes? Incline nos têtes et levez les mains vers le Seigneur. Bow your head. C'est un moment saint. It is a holy moment. Sonte kashanta. Alors que l'Esprit de Dieu va descendre maintenant. C'est l'heure de faire notre inventaire. It is time for you to check up your lives. Oh frères et sœurs, vous avez vu, les enjeux sont énormes. Did you see, brothers and sisters, how important it is to watch what you are doing? C'est le moment de faire l'inventaire personnel devant Dieu en toute sincérité. It is time to look at your lives en toute sincérité. With all honesty. C'est important parce que Dieu veut élever son peuple. It is important because God wants to promote his people. Dieu veut élever chacun d'entre nous dans l'autorité et l'influence. God wants to raise up every one of you into another dimension of authority and of influence. Parce que sans influence, il n'y a pas d'impact. Because without influence, there is no impact in the world. Il est temps qu'on dérange le royaume des ténèbres. It is time to do something to move things. Il est temps que l'on dérange tous ceux qui élèvent, qui votent des lois abominables. It is time to take over, to go into government, to vote about laws and rights. Donc maintenant, apporte vraiment devant Dieu. Bring yourself to Toi the Lord. Et Dieu. You and God. Tous les éléments, les points où tu t'es retrouvé tout à l'heure dans ce que j'ai pu citer. If you have found yourself in what I described earlier,
et demande au Seigneur de venir régner dans ces domaines. Ask the Lord to come and reign and rule in your heart, into certain areas. Demande au Seigneur vraiment la grâce pour changer ce qui doit être changé. Tu ne peux pas par tes propres forces. For grace to change, because you surely cannot change yourself by your own strength. It's impossible. On a vu que la colère en fait que Siméon et Lévi ont raté la volonté de Dieu. You saw earlier that anger could be a trigger to make you fall from your promotion. Un péché non confessé, la nonchalance a fait que l'aîné même Ruben a raté and la volonté also, de Dieu. And also laziness and slowness in doing things can be a problem. Une idole dans le cœur, le jeune homme riche, c'était de l'argent, or mais ça peut être une autre idole a fait raté la volonté de Dieu. Or another idol or money or anything that is in the way of the Lord. Que Dieu nous accorde la grâce de changer et d'abandonner ce qui doit être abandonné. Grant us grace to be able to change to better ourselves. Est-ce que tu peux juste lever les mains? On va faire une courte prière. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Si tu as placé sincèrement devant Dieu toutes ces choses qui peuvent constituer des dysfonctionnements qui peuvent te bloquer dans ta promotion. Je vais prier pour que Dieu libère la grâce. If you really want the Lord to move upon you, I'm going to pray that God will free the grace over you. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dieu aborde ces thèmes simplement parce qu'il veut nous propulser dans une nouvelle dimension d'autorité et de puissance. God just wants you to move into a higher authority of power and of influence. Wow, je vois le jeune homme avec le blouson et le t-shirt blanc là. Ah, il aime la puissance de Dieu, lui. Ah, il aime la puissance de Dieu. Seigneur, je veux te bénir. I bless you, Lord. Seigneur, nous savons que la vie de Daniel n'est pas simplement une histoire à raconter. We know that the life of Daniel is just not a story to tell. Oh Seigneur, prenons conscience que cet homme a vraiment existé. Realize that this guy really existed. He lived on earth. Et cet homme à un moment de sa vie a influencé tout un empire. And at one point this guy had authority over a whole empire. Mais Seigneur, aujourd'hui, ces choses sont écrites pour nous inspirer. And these stories, actually history, were written to inspire us. Pour savoir que tu es le Dieu qui ne change pas. For us to know that you're the God who doesn't change. Aujourd'hui encore, tu peux nous faire entrer dans une dimension d'autorité et d'influence and comme today, celle-là. You can make us enter into a new dimension of authority and influence. Alors pour tous ceux qui sont prêts, recevez ce matin so la grâce et ready, le toucher de l'Esprit pour être propulsé dans cette dimension. Receive the power of God to go. Reçois cette grâce maintenant. Receive this grace. Oh Seigneur, je libère cette grâce. Je libère cette puissance. Je libère ta capacité, Jésus, sur ton peuple, au nom de Jésus. Lord, give your people the ability, the capacity. Release it, Lord. Mote kabasonto shanta barete. Timothée, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Au-delà de tes faiblesses, te dit ton Dieu, crois. Mande kabarende soto sheka. Seigneur, merci de ce que tu qualifies tes enfants maintenant pour entrer dans cette dynamique. Thank you so much, Lord, because you qualify your people to go car into c'est notre destinée, frères dynamic, et sœurs. Because it is a destiny. C'est la destinée de l'Église. It is a destiny of the church. Influencer. To be influenced. Mais c'est aussi ta destinée individuelle. It is your personal individual destiny. Alors, Seigneur, merci de ce que tu fais rentrer chacun d'entre nous dans cette dimension nouvelle pour la gloire de ton nom, au nom de thank Jésus. Thank you, Father, for letting amen us enter into amen this destiny. Amen. In Jesus' name.